Dis Billy. Viens mon Billy. Viens mon Billy. Viens mon garçon. Comment ça va? Et pot de colle. Et pot de colle. Et mon marlou. À la base, on a pris un petit couple de moutons d'Ouessant pour la tonte. En fait, c'est des tondeuses, c'est des moutons tondeuses. Et après, avec un couple, bien évidemment, très rapidement, nous avons eu des petits moutons. Et il faut s'en occuper, pas quotidiennement, mais avoir un œil en permanence sur eux. Et c'est tellement mignon que, bien évidemment, ça se familiarise. Ça se domestique, c'est plus que domestiqué, quoi. Mais c'est une race, si on les domestique pas, ça reste très indépendant, très sauvage. Et ils ont un comportement de meute également. Tu poses un peu? Fais un câlin, Billy. Fais un câlin. Évidemment, tous les liens se créent à partir du moment où il y a de la nourriture. Donc évidemment, bah alors mon Billy, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Doucement, mon gros, doucement. Au départ, quand ils sont tout petits, alors c'est très amusant, on ouvre la porte, donc ils rentrent. Et après, très facilement, ils envahissent les canapés à prendre le petit-déj avec nous, piquer nos tartines et... Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais pas, j'imaginais pas les apprivoiser, c'était pas le but, hein. C'était vraiment pas... C'est qu'ils aient leur place ici dans la... Qu'ils aient leur place ici dans la maison, il faut pas exagérer non plus, mais... Mais en même temps, ces petits moments... C'est pas désagréable, hein. Ce n'est guère plus gros qu'un labrador, hein. On va faire un petit tour dans le chemin, Billy?